Pendant que le produit posait, on en a profité pour aller se promener. Et vraiment, au détour de ruelle, on tombe sur de bien jolies choses ici. Qu'il s'agisse d'une simple pensée, ou même une porte vers un monde merveilleux. Ces petites constructions, par exemple, ont été réalisées par des retraités. Et si vous observez bien les écorces de certains arbres, vous trouverez ces petites maisonnettes un petit peu particulières. Bon, voilà le travail après une heure sur la table. J'ai quand même bien réussi à décaper donc le plateau et un pied puisque c'est sur ça que j'avais testé à mettre le produit pour voir ce que ça donnait. On commence déjà à voir le rendu du bois naturel. Ça a bien enlevé le vernis et un peu de la teinture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer du produit mais sur tous les pieds, sur les bords, etc. Je vais recommencer à enlever les couches, puis après je pense que je reposerai une deuxième couche sur le plateau et sur l'intégralité pour bien enlever le maximum possible les restes en fait de teinture de bois. Puis après ben je vais tenter d'éclaircir le bois naturellement pour obtenir quelque chose de plus naturel. Voilà, donc je vous montrerai ça après. Ce samedi matin, direction le Palais des Congrès de Montréal pour assister à l'exposition immersive Rechargée qui est présentée par Oasis Immersion. C'est vraiment une expérience immersive et contemplative qui va nous présenter 10 œuvres qui vont être réalisées par des artistes locaux et internationaux dans les arts numériques. Ça transporte en fait dans une immersion grâce notamment à un parcours sensoriel qui va stimuler nos 5 sens. On va à la fois entendre, sentir et interagir avec le décor. Et on en ressort de la promesse régénérée. C'est vraiment une expérience qu'on a adorée. C'était à la fois assez éblouissant et en même temps une expérience vraiment particulière. Je vous recommande fortement d'y aller si vous avez l'occasion, si vous êtes présentement sur Montréal. Et sinon, sachez que Oasis Immersion propose régulièrement des expositions autour justement des arts numériques. C'est vraiment une belle façon, je trouve, de découvrir même des œuvres plus classiques. Nous allons notamment y retourner probablement à la fin du mois pour découvrir les œuvres de Van Gogh sous cette forme-là. Et je trouve que c'est très chouette de proposer d'autres façons d'aborder des œuvres classiques. On a trouvé une superbe petite desserte en laiton. Je pense faire un petit meuble bar dessus. Je la trouve super belle. C'est tout à fait le genre de pièce qui, je trouve, dans un intérieur fait le petit truc en plus. Et voilà, on n'en fait plus des choses comme ça et je trouve que c'est tellement chouette.
Et en allant chercher la desserte, le monsieur nous a gracieusement offert ce porte-parapluie en laiton dont il n'y avait plus l'utilité. Il faut juste que je le dépoussière un peu, mais je pense que dans l'entrée, ça va faire super sympa. Si vous vous souvenez, on était allé au Céramique Café pour mon anniversaire peindre des céramiques et voilà le résultat. On a pu les récupérer une fois cuites, nos deux petites tasses, leur soucoupe et le petit bol. Franchement, trop content. On est trop content, on recommencera. Je suis en train de lire La Délicatesse. Ce livre, c'est une vraie pépite. Il est si poétique. Enfin, sincèrement, c'est vraiment à lire. Si vous jamais vous ne savez pas quoi lire en ce moment, je vous le recommande fortement. Pour vous donner une idée du livre, voici la quatrième de couverture de La Délicatesse. François pensa, si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision. Ou pire, chez les beaux-parents. Finalement, il se dit qu'un jus, ce serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus! Mieux vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse. Je vais prendre un jus d'abricot, répondit Nathalie. Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité. Non mais regardez-moi cette merveille! Je suis trop contente, on a trouvé cette chaise sur Facebook Market. La personne qui nous l'a vendue nous a dit qu'elle était extrêmement facile à décaper, ce qui est tout à fait vrai puisque ce genre de bois est très simple à décaper. Mais je sais pas, j'aime beaucoup le fait que de l'usure de la peinture, qui est pas de la peinture blanche justement partout, enfin elle est dans son jus et je sais pas, je trouve que ça lui donne un style super sympa, donc je pense qu'on va la garder comme ça. Sous les conseils de Sébastien Cardinal et de plusieurs d'entre vous, on allait découvrir l'épicerie Ségal, qui est une petite épicerie historique proposant des produits frais et une sélection d'articles bio. Elle est située boulevard Saint-Laurent à l'angle du Lutte. Et sincèrement, c'était une très jolie découverte. Il y a vraiment pas mal de choix pour les produits bio de manière très très accessible. On a un petit peu de vrac aussi et quelques produits d'hygiène. C'est une belle adresse à retenir, surtout si vous venez en tant qu'étudiant, que vous n'avez pas beaucoup de moyens, parce qu'il y a vraiment vraiment moyen de faire des aubaines. Ouais, donc ici, ça s'appelle Alma Plante et Bar à Plantes Montréal. On est deux entreprises sous le même toit. On est une boutique de plantes et d'accessoires locaux, donc on veut vraiment mettre l'emphase en fait sur les artisans locaux. Fait que majoritairement, tous les produits qu'on retrouve en boutique sont fabriqués localement à Montréal ou au Québec, ou du moins au Canada, c'est certain. Puis pour les plantes, on essaie qu'elles soient cultivées là aussi majoritairement au Québec. Donc nos fournisseurs, on va vraiment chercher des fournisseurs en fait qui produisent eux-mêmes, là, qui partent de plantes mères, puis qui fassent l'abouturage. On veut vraiment que les gens viennent ici, puis qu'il y ait un esprit collaboratif, puis qu'on puisse être une vitrine, ni plus ni moins, pour les artisans québécois. Ok, trop cool! J'ai démonté la table là pour plus de praticité et je vais reponcer un coup. On voit que même malgré le bleach, c'est quand même assez rose. Donc j'espère que je vais réussir à obtenir quelque chose de moins rose. On a terminé notre table, on est trop contents, ça fait une semaine qu'on est dessus. On ne s'attendait pas à avoir un résultat aussi chouette, honnêtement. De tout ce qu'on avait lu sur les sites de relooking de meubles, etc., de restauration et tout, c'est assez compliqué de travailler avec des tanins rouges quand les vernis sont rouges, etc., puisque ça a tendance à s'imprégner tellement dans le bois qu'on obtient quelque chose de plutôt rose à la fin.
Donc j'avais un peu peur et à un moment on s'est un peu demandé avec Ben si on s'acharnait pas pour rien. Mais finalement, avec de l'huile de coude, on aura réussi à obtenir quelque chose d'assez proche de ce qu'on voulait. On va juste continuer à travailler un petit peu sur les pieds, je pense, dans les prochains jours pour continuer à les éclaircir. Mais franchement, trop content. Et pour 25$, ça valait vraiment le coup. Et tada! Et voilà le résultat. C'est presque un peu un petit style shabby chic de cottage anglais, si je puis dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous aimez finalement ce relooking de table ou si vous préfériez avant. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine et à très vite pour une prochaine vidéo.